Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier vice-président du Conseil national de la transition, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, chers collègues membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants des coalitions des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des plateformes des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias publics et privés, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole observé, distingués invités, c'est un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole ce jour vendredi 28 avril 2023 en tant que président du comité de pilotage du comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et en ma qualité de ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation devant ce parterre de personnalités et d'acteurs sociopolitiques de notre pays pour rendre compte du niveau d'exécution du chronogramme de la transition. Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah pour toute sa protection, ensuite remercier Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya, pour les efforts consentis dans la consolidation et la mobilisation des ressources financières pour le retour à l'ordre constitutionnel et le développement de notre pays. Je voudrais également remercier Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, pour tout son soutien et l'accompagnement dont moi et mes collègues bénéficient, et à travers lui, mes remerciements vont à tous les collègues ministres, aux acteurs sociopolitiques, à la presse et aux partenaires techniques et financiers qui ne ménagent aucun effort pour le retour à l'ordre constitutionnel dans un climat apaisé dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les partenaires, notre pays traverse une période importante de son histoire dont l'aboutissement doit permettre à coup sûr la mise en place d'institutions fortes, la qualification de sa gouvernance, le renforcement de l'État de droit et de la démocratie. Pour l'atteinte de tels objectifs nobles, les dirigeants de la transition se devaient de repenser le mode de gestion et de choix de ses dirigeants avec des valeurs et des principes. Ces valeurs et principes doivent baliser le chemin de la mise en œuvre des 10 points inscrits dans le chronogramme de la transition. Un chronogramme est une succession d'activités dont un partage de responsabilités. Chaque acteur a un rôle à jouer et une responsabilité à assumer. Mesdames et Messieurs, l'histoire de démocratisation de notre pays est émaillée de violences dues à une crise de confiance entre les acteurs politiques, les gouvernants et les gouvernés. Pour pallier à cet état de fait, le CNRD et le gouvernement ont décidé de poser des actions concrètes et pertinentes pour le développement socio-économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la rencontre de ce matin consiste à mettre à votre disposition des informations capitales pour la mise en œuvre des activités essentielles du chronogramme de la transition. Les 10 points de ce chronogramme, au-delà de permettre un retour à l'ordre constitutionnel, va poser les jalons d'un développement socio-économique durable. Le ministère de l'Administration du territoire, le ministère du Plan et de la Coopération internationale et le Conseil national de la transition ont réalisé plusieurs activités dans le cadre de la mise en œuvre du dit chronogramme dont nous pouvons citer entre autres la mise en place des organes de gestion du RGPH que Madame la ministre du Plan et de la Coopération viendra tout à l'heure avec ses cadres détaillés, l'élaboration et la validation des documents de projet du recensement général de la population, l'élaboration et la validation des outils de collecte des données, l'institutionnalisation par décret du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, la création et la codification de 362 centres principaux d'état civil, la création et la codification de 2173 centres secondaires d'état civil, la création et la codification de 20 000 centres de déclaration des faits d'état civil dans les structures sanitaires publiques et privées, les lieux de culte et les cimetières. L'élaboration et la validation du cahier de charge du programme national de recensement à vocation d'état civil
qui a été présidé par Monsieur le Premier ministre pour montrer toute l'importance accordée par son gouvernement à ce processus. L'élaboration et la validation du cahier d'achat et du plan de passation de marché, l'élaboration de l'avant-projet, des avant-projets de loi portant régime de l'état civil et la loi sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée, l'élaboration des schémas d'établissement du fichier électoral, l'élaboration du projet de cahier de charges de l'établissement du fichier électoral, l'élaboration des outils de collecte et de création des centres de vote, l'élaboration des plans opérationnels et évaluation budgétaire de tous les points inscrits dans le chronogramme. L'organisation récemment par le Conseil national de la transition du symposium sur le constitutionnalisme. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est important de noter que sans constitution, il n'y a pas d'élection et sans fichier électoral, il n'y a pas d'élection. C'est pour cette raison que nous sommes en train d'analyser des solutions techniques afin de réaliser de façon parallèle des activités importantes inscrites dans le chronogramme. Le délai de mise en œuvre des 24 mois sera respecté. Mesdames et messieurs, en termes de perspective, nous pouvons vous informer de la tenue très prochaine des ateliers de lecture et de validation des avant-projets de loi, du recrutement d'un prestataire en charge de l'archivage et de la digitalisation des anciens actes d'état civil, de l'acquisition de tout le matériel de recensement, de l'achat des fournitures consommables, de la mise en œuvre et de la mise en place des organes d'exécution du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et de gestion des élections. Mesdames et messieurs, le coût global de la mise en œuvre de ces 10 points s'élève à 5 412 456 181 francs guinéens. Mesdames et messieurs, chers partenaires techniques et financiers, le gouvernement a besoin de votre assistance technique et financière pour la réalisation de ce vaste chantier de démocratie et de l'état de droit. La CEDEAO s'est engagée à mobiliser tous les partenaires pour l'accompagnement et la mise en œuvre du chronogramme dans un délai de 24 mois. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier les pays amis, les partenaires techniques et financiers que vous êtes et toutes les institutions sous-régionales, régionales et internationales qui ne ménagent aucun effort pour l'accompagnement des autorités de la transition. Vive la République de Guinée, vive la coopération internationale, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, mesdames et messieurs les représentants des institutions républicaines, madame la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers partenaires et chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur de venir à cette tribune présenter aujourd'hui l'état d'avancement du processus du recensement général de la population et de l'habitat numéro 4, le RGPH4, qui constitue le premier point du chronogramme de la transition. Ce processus qui s'est amorcé depuis 2022 doit se poursuivre jusqu'en 2025. Certes, cela soulève des questions qui viennent demander à quel rythme les autres étapes se poursuivront. J'aimerais aujourd'hui apporter cette précision que les différentes étapes liées au processus du RGPH4 ont déjà commencé et que les activités qui suivent relativement au recensement à vocation d'état civil se poursuivront effectivement en parallèle sans entrave au chronogramme de la transition. Je voulais aussi présenter aujourd'hui les différentes étapes liées à ce processus de recensement général de la population dont les activités de la phase préparatoire ont déjà démarré et ont pris fin en décembre 2022. La cartographie censitaire qui a débuté aussi par la prise des photos satellitaires a également pris fin et les analyses et la collecte de données se poursuivront de janvier à septembre 2023. Le recensement pilote lié aux activités du RGPH4 se tiendront de février à septembre 2023. Donc les activités ont également démarré, les documents préparatoires ont été réalisés, des ateliers
de prise en compte des avis de toutes les parties prenantes ont également été réalisés. Et le dénombrement principal se tiendra en mai 2024. L'enquête post-censitaire se tiendra d'avril à septembre 2024. Le traitement des données de avril 2024 à avril 2025. L'analyse des données aussi, ce qui se tiendra en parallèle de avril 2024 à avril 2025. La publication des résultats se fera également graduellement tout au long de avril 2024 à avril 2025. Et la dissémination et l'archivage des données aussi se poursuivra jusqu'en août 2025. Donc vous comprendrez que le dénombrement en lui-même finira en mai 2024 et que ces données seront déjà accessibles car tout le processus lié au RGPH4 est dématérialisé, donc digitalisé. J'aimerais également parler du budget relatif au RGPH4. Qui s'élève à 330 milliards de francs guinéens, soit 38 600 000 dollars américains, dont près de 93% couvrent les phases suivantes. Les activités préparatoires qui s'élèvent à autour de 45 milliards de francs guinéens, soit environ 5 millions de dollars. La cartographie censitaire, qui aussi devrait être à l'usage du recensement à vocation d'État civil. La cartographie censitaire à 78 milliards de francs guinéens, soit 9 millions environ de dollars. Le dénombrement qui s'élève à 148 milliards de francs guinéens, soit 17 milliards de francs de dollars américains, soit 45% du budget total. Le fonctionnement et le renforcement des capacités, 32 milliards de francs guinéens, soit 3 800 000 dollars américains, soit 9,9% du budget total. La contribution du gouvernement et celle des partenaires au développement qui me fait l'honneur d'être présentée aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire de notre pays, le gouvernement a pris l'engagement de financer 60% du budget avec ses propres fonds, soit 198 milliards de francs guinéens. À ce jour, 86 milliards de francs guinéens ont été mobilisés et disponibles pour le RGPH4. 40% du budget financé par les partenaires techniques et financiers, soit 15 millions de dollars, et principalement par la Banque mondiale, que je remercie, la Banque africaine de développement, le système des Nations unies. J'aimerais également aujourd'hui remercier l'Union européenne qui, par la signature d'une convention qui s'est faite il y a de cela 2-3 semaines, d'un montant de 25 millions d'euros pour accompagner le chronogramme de la transition. Et je laisserai le directeur général adjoint de l'INS présenter les aspects techniques liés au RGPH4 afin d'avoir plus d'appréhension, plus de compréhension sur les activités techniques réalisées à ce jour. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est pour moi aussi un moment particulier pour souligner l'appui de Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, qui n'a ménagé aucun effort pour accompagner le processus et le soutien infaillible de Monsieur le Premier ministre, Dr. Bernard Goumou, dans toutes les différentes phases que nous avons réalisées. J'aimerais aussi remercier particulièrement tous les membres du gouvernement qui s'associent sans cesse à cet effort lié à cette priorité nationale, remercier tous nos partenaires au développement et vive la coopération internationale, vive la Guinée. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et messieurs les présidents des institutions républicaines, mesdames et messieurs les membres du CNRD, Excellence, Madame la ministre en charge des Affaires étrangères,
du Burkina Faso, Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, très chères facilitatrices du dialogue inclusif interguinéen, Mesdames et Messieurs les représentants des coalitions des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des plateformes de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants des médias publics et privés, Mesdames et Messieurs, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, me charge de vous transmettre ses salutations et ses remerciements pour tous les efforts que vous consentez pour la réussite de la transition guinéenne. Le gouvernement que je dirige se réjouit du soutien dont il bénéficie de la part des pays frères et amis, des partenaires techniques et financiers, des acteurs politiques et sociaux, des médias ainsi que de la population guinéenne. Je réitère ici l'engagement pris par le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, pour le retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et équitables. Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, le chronogramme de la transition a été élaboré par la Guinée, puis accepté par la CEDEAO et la communauté internationale dans le cadre d'un compromis dynamique. Pour endosser pleinement notre responsabilité, il nous revient de mettre en œuvre ce chronogramme parce qu'il décidera de l'avenir de la Guinée. Comme à chaque grand tournant de notre histoire, nous devons prendre en main notre destin pour assumer notre souveraineté. Le 9 février dernier, le président de la transition a mis en place par décret un comité de suivi-évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Ce comité placé sous mon autorité a charge de suivre, d'orienter et d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée. C'est la preuve éloquente que le président de la transition, président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, s'inscrit résolument dans le respect du chronogramme quant à son délai et à sa mise en œuvre. De manière plus pratique, il me revient de rassembler toutes les composantes sociopolitiques de la nation pour qu'ensemble nous puissions réussir le déroulement du chronogramme de la transition. C'est une responsabilité collective face à notre histoire. Pour ma part, cette mission est devenue un sacerdoce pour lequel je consacre et je consacrerai toute ma volonté, toute mon énergie afin de la réussir. C'est ce qui explique d'ailleurs ma tournée avec les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif dans les sièges des coalitions des partis politiques et de la société civile. La main tendue du chef de l'État à tous les acteurs sans exception pour susciter un climat de confiance et de dialogue.
Je saisis cette occasion pour remercier ces braves dames, les facilitatrices, remercier également les leaders religieux et toutes les personnes de bonne volonté qui œuvrent sans relâche à l'inclusivité du processus. Mesdames et messieurs, chers partenaires, dès le commencement de la transition, le message porté par le CNRD et les actions mises en place par le gouvernement ont démontré l'ambition des autorités de mettre en place un État et des institutions soucieux du bien-être des populations guinéennes. Vous en êtes les témoins et avez apporté votre soutien pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui donc, je vous lance à nouveau un appel pour un soutien technique, financier, conséquent. Je termine par remercier encore une fois le président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le soutien sans faille et la confiance totale dans la mission qu'il m'a confiée. Je déclare donc l'ouverture des travaux de présentation du niveau de mise en œuvre des activités du chronogramme de la transition. Que Dieu bénisse la Guinée, les Guinéennes et les Guinéens. Je vous remercie. Les gars, c'est bon.